Extinction de lumière. Allumage de lumière sur l'INSEE. Ok. Je vais vous poser deux questions sur votre vie, très cher l'INSEE. Are you ready for the show? Yes. Il faut actionner le buzzer avant de répondre. D'habitude, Pierre et moi, on ne joue pas. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup de surprises dans cette affaire. Alors, l'INSEE, est-ce que tu saurais me dire à quand remonte la toute première diffusion de l'émission Ici, on songe et que tu animes tous les samedis à 20h30 sur NCI? Oh là là. Oui, ça remonte... Attendez, je peux réfléchir un peu? On n'a pas assez de points, déjà, c'était okay. franchement, je suis désolée, mais peut-être qu'on va perdre, là. Là, on va chanter d'ici. Faut que je vous dise la vérité. Alors, attendez, c'était au mois de... Je veux la date exacte. C'est le genre de date qu'on n'oublie pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Attendez. Apparemment, non. On a perdu. Là, on est au mois de mai. Il y a un buzzer. Il y avait le mois de juin. Vous avez... Peut-être le mois de mars. Est-ce que c'était... C'était la deuxième semaine... C'était au mois d'avril. C'était le 6 avril 2021. Ce sera votre dernier mot? Oui. Est-ce que vous voulez la réponse avant un point? Moins deux. C'était... Vous tombez à 5. Et c'était quand? Il fallait dire le samedi 10 avril. Oh, j'étais à ça. Oui, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ok, ok. Deuxième question. Oui. Est-ce que tu peux justement me citer le nom des participants de la première émission d'Ici en Sanjaï? La première émission diffusée? Yes, la... diffusée. Il y en avait 6. Oui. On y va. Il y avait... comment ils sont? Trouver 5 bons noms et se tromper sur un nom fait perdre 2 points. Ouf. Ah. Je veux les noms exacts. Agalawal? Non. Il y avait... Comment il s'appelle? Pour appuyer le buzzer. Ok, on y va. Agalawal? Ça me fait pas une bonne réponse. Point 2. Donc on a 0. Vous tombez à 3. Voilà. Il fallait dire le magnifique Rocky Gold, magnifique. Ange Freddy, Poupette Star, Arthur Longeville, en cas des cas. Ouais. Extinction de lumière sur le soleil de minuit qui, du coup, tombe dans la pénombre. Je vais me tourner vers la princesse de Kpada. Mais il y a tellement d'artistes tous les samedis, chèques. On a perdu. Bon, d'accord. Merci beaucoup, c'est la morale de l'histoire. Clémentine, pas point. Ça va chauffer. C'est chaud. Où tu vas m'amener? En quelle année as-tu obtenu le trophée haut de gamme de la meilleure actrice africaine organisée par le Burida? C'était sous l'ère de l'administrateur provisoire Armand Obou. 2008. Ce sera ton dernier mot? Oui, 2008. C'est en 2008. Il fallait dire 2009. Aïe. C'est en 2008. C'est en 2008. J'étais là-bas. Il fallait dire 2009. On a 0. Moins 2. Vous tombez à 1 point. Mais attendez, chèque, quand même. La principale interne. Deuxième question. Calmons-nous, très cher. Attention, trop de réclamations peut faire perdre des points sur les émissions à venir. Motus et bouche cousue. Ne vexez pas l'animateur. Quel est le nom de la fille de Gou dans la série Ma Famille? Attention, on y va? Louise. Bon point. Vous gagnez un point, donc vous passez à 2. Extinction de lumière. Et je me tourne vers ma chère Cassandra, qui avait beaucoup d'affection pour moi par le passé. Non, vous êtes toujours charismatique, je vous aime beaucoup. Absolument. Et qui soudainement m'en veut. Je ne saurais dire pourquoi. Le buzzer, là, il y a un problème des piles. Ça, on l'a entendu, effectivement. Oh. C'est vrai. Cassandra, oui. Toi qui es passé maître dans l'imitation de l'autre dame, j'espère que tu sauras imiter ta propre vie. Mais alors, dis-moi, quand est-ce que tu as imité Tina Glamour sur le plateau de C'est Midi? Quelle date? Avril 2019. Ce sera ton dernier mot? Avril 2019. Ce sera ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Il fallait dire 25 octobre 2019. Ouais. Tu fais perdre 2 points à ton équipe. Mais attends, mais tu étais si sereine. Attention, vous tombez, vous tombez à... 0. 0 points, pour l'instant. Oh, ok. C'est quand même une barre plutôt symbolique, je dois l'avouer. 2008. Autre question, ce sera la dernière te concernant. Nous allons mourir, là. En mars 2020, dans ses livres au choix, dans C'est Midi, animé par Caroline Da Silva, tu as présenté un livre écrit par Odile Koudou. Mais de quel livre s'agit-il? Vu que tu sais beaucoup de choses sur la vie des gens. Le buzzer avant. Alors, je vais dire une bêtise. Hein. Je me rappelle à peu près, je crois qu'elle parlait de... Je suis plutôt intéressé par le titre.
Bah, je ne l'ai pas, donc on va faire. Au moins, c'est vous... Oui, oui. Au moins, vous savez quoi, Cheikh, dans notre équipe, donc, on est très honnête. Donc, nous pour l'instant à moins 2. Extinction de lumière, je rappelle le score. Au moins 2 comme Pierre. Moins 2 pour l'instant. Pour les roses très épineuses devant l'éternel. Moins 2 comme Pierre la semaine dernière. Je me tourne vers Baz et Thérèse. On y va. Bon, à votre tour de perdre des points. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Oui. Pour l'instant, ton équipe a 18 points. Il y a deux questions. Tu as la possibilité de gagner 2 points, donc de faire gagner 2 points à ton équipe, ou d'en faire perdre... 4 points. Il n'y a pas on sait problème. Pas. Toutes les combinaisons sont possibles. C'est un jeu. Non. Oui. Dis-moi, quelle était la couleur de la porte de ta rivale Ange dans la série Ma Famille? Ange qui a tant souffert. Bleu. Oh oui. Waouh. Super. Parce que je n'aimais pas cette porte-là. Impressionnant. Waouh. D'accord. Wow. Très bien. Haïssait la porte. Deuxième question. Vous êtes à 20 pour l'instant. Quelle était la couleur favorite? 19. Du rouge à lèvres de Amouin. Oh. Ah, facile, ça. Bah oui, rouge. C'est du rouge. À vous lui donner la réponse? Bah non, mais elle le sait. Rouge à lèvres, il y a la réponse dans la question. La barre symbolique des vins a été... Vous passez à 22 points. Mais non. Extinction de lumière, c'est un sans faute pour Baz et Thérèse. Mais c'est qu'il y a 2 points par bonne réponse? Un point. Pardon. Non, on est à 20. On est à 20. Vous êtes à, non, vous êtes à 21. Vous êtes à 20, pardon, c'est ça. Plus 1, vous êtes à 20. Ouf. Exactly. Merci pour la vigilance, Pierre et l'INSEE. Et l'honnêteté. Avec grand plaisir. C'est cela. Vous êtes à 20. On est à 25. Question pour Soukaina. Soukaina, concentre-toi. Allumage de lumière, il faut rester concentré. C'est le maître mot dans cette affaire. Oui. Soukaina. Oui. Ça va? J'ai la pression. J'imagine. Au stade de l'université de Cocody, oui. C'est là, en fait, que le déclic se fait. On va dire, ta décision de te lancer dans la musique de façon professionnelle. C'était dans quel mois et en quelle année? Je merci. Tu as entendu non, prière. Attendez. C'était en décembre 2017. Oh plus 1, vous montez à 21 points. Je pense qu'il y a le présentateur... Deuxième question. Attrape ton cœur. Alors, s'il y a une artiste... qui t'a fait tant aimer la musique, c'est la Sud-Africaine Brenda Fassie. C'est vrai ou pas? Oui. Super. Pareil pour moi. Tu étais à son concert, et la voir à ce concert, dis-tu, a changé ta vie et ta vision de la féminité. Est-ce que tu peux me dire à quel mois et quelle année remonte ce concert? Les gars, oublions bagages, rentrons à la maison, je sais pas. Je sais pas du tout. Buzzer avant de répondre. Mais si je réponds, et si je réponds pas, il n'y a pas de conséquences? C'est zéro aussi. Non, il y a conséquences. Mais c'est zéro, moins c'est pas moins. C'est moins 2, dans tous les cas. Tu te rappelles l'année à peu près? J'étais petite. Ah. Oui, c'est ça. Mais c'est le genre de date qu'on n'oublie pas. Mais c'était un enfant. Justement, c'est ce qu'elle dit. Elle dit j'étais toute petite. Ouais. J'étais trop petite pour me souvenir de ça. Un enfant, je ne rappelle pas. Joker, il y a un buzzer. Il n'y a pas de joker, c'est ta vie, tu es censé la connaître. Les gars, je suis désolée. Non, ce n'est pas grave. C'est bien, mais si. Et alors? Essaye un truc. Essaye une année. Je ne sais pas, 2003? Même un coup, ce n'est pas bon, il faut le mois aussi. Allez. Donc, vous tombez à 18. 19. Vous étiez à 21, pour info. Ah oui, en face, on est à moins 2 pour l'instant. C'était quoi la date? C'était quoi la date? Il fallait dire mai 2000. Toi, t'es parti chercher quoi dans 2003? Vous terminez cette affaire de one-to-one. Deux questions pour Pierre, qui semble avoir mangé du lion ce soir. 19 pour l'instant pour l'équipe. Quelle était la première thématique dans la télé d'ici de l'émission du lundi 24 mai, donc cette semaine? Très bien. Voilà. Première thématique du lundi 24 mai cette semaine. Tu en as parlé de quoi? Buzzer avant, attention. Coupure d'électricité. Moins 2. Souvent quand on triche, vous tombez donc à... C'était quoi? 17. Réseaux sociaux et... Ah, c'était avec Brazing et tout. Fake news. Et faites, Pierre, on va perdre ma partie. Cite-moi le nom des invités de l'émission du vendredi 21 mai. Donc la semaine dernière, version porte du week-end. Ah oui, bah oui. C'est facile, okay. Ça. Buzzer. Fini de réfléchir d'abord. Mike Alabi, Ange Freddy, il s'appelle, est-ce qu'il s'appelle Stony ou pas? Je sais plus.
Qui m'a dit? Et celui qui était à côté de moi, j'en suis à un près. Celui qui était à côté de moi, je vois plus son visage. C'est le gars de qui a... Non, comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle le truc là? Il a des dreadlocks. Il a des lunettes et il est toujours avec les filles à Pouchou. Et j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Ne souffle pas, hein, attention. Ah, son nom. Moi aussi. Oh non, 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 oh, non, non, non. On ne souffle pas. Mike Alabis, Tony, Ange Freddy. J'ai pas dit. Vu que t'as perdu, c'était la défaite. Attention, l'INSEE. Pardon. Je l'ai pas. Il fallait dire Wilfried Nanga, web humoriste. Et vous tombez donc à 15, pour l'instant, moins 2. Tout à fait. On rallume la lumière, on sort de la pénombre, et on revient à la vie. Oh, c'était chaud, hein. C'est bien dit. C'était très chaud, hein.